Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu spécial, les maisons closes. Oh. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les maisons closes étaient signalées par une petite lanterne rouge et que les volets de cette dite maison devaient être clos, d'où le nom maison close. Ces maisons closes étaient souvent situées en bordure de Paris et avec le temps, elles se sont appelées bordels. C'est en 1946 que cette merveilleuse femme, Marthe Richard, conseillère municipale de Paris, a fait fermer 1400 maisons closes en France et déclaré la prostitution totalement interdite. Voilà. Et je me disais, aujourd'hui, si nous devions réouvrir des maisons closes, Dieu m'en garde, comment les appellerions-nous? Des fentes commerciales? Ben quoi, c'est logique.